Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui de si bon matin. Je vais vous transmettre les messages du jour. Voilà. Et on va voir, on va découvrir le message du jour que je peux vous transmettre tout de suite maintenant pour votre mardi. J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour votre participation. Merci pour vos likes. Merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Il y en a trop. Il y en a deux. On va prendre le précieux message du matin, hein, comme toujours. Voilà. Non. Alors, attendez, on va refaire. Alors, faites bien preuve de discernement. Hein. Comme toujours, c'est du général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et on va découvrir tout cela. On y va. On en a deux. On a dit un message. Et après, j'ai écrit deux toujours pas. Bon. J'ai écrit hein, de si bon matin. Je vais vous partager ce message avec vous. Voilà. Et on va voir. Alors, message. Ça y est, on en a. Alors, Céleste, un déménagement heureux. Il y a voilà. Il y a soit un déménagement, soit un nouveau poste qui se profile à l'horizon. Ça peut être une mutation. J'ai une mutation. Il y a quelque chose de favorable, une réponse favorable. Soit un déménagement et ou une mutation, ou alors juste une mutation, ou alors juste un déménagement en tout cas, et quelque chose qui se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Il y a ce changement va vous insuffler vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle vie, une nouvelle envie, de nouvelles passions. Ça va être très positif pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. Donc voilà, là ça devrait énormément bouger aujourd'hui. Énormément, parce que ça doit bouger comme énormément aujourd'hui. Donc, ça lié à un déménagement et ou une mutation, ça bouge énormément pour moi aujourd'hui. Alors, on va prendre un petit message avec l'oracle des couleurs. Le petit oracle des couleurs. C'est l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc, honorez, nourrissez votre déesse intérieure. Et en sachant que, hommes et femmes, nous avons tous en nous une déesse intérieure. Donc, voilà. Honorez, nourrissez votre déesse intérieure, votre part féminine à l'intérieur de vous. Rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Donc aujourd'hui, exprimez votre tendresse à ceux que vous aimez. Soyez une rose tendre, peut-être par une rose tendre. Voilà. Exprimez votre tendresse à une personne qui vous est chère, une personne que vous aimez. Peut-être que vous n'avez pas toujours eu l'occasion, soit dans vos relations passées, ou alors vraiment avec cette personne-là qui vous est chère. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion d'exprimer vraiment, véritablement toute votre tendresse à la personne que vous aimez. En tout cas là voilà, ça peut être par le biais d'une rose, une rose tendre, soit vous, soit c'est vous qui allez recevoir une rose tendre. Voilà ce que j'ai. Ok. Ça. On va prendre le tarot des anges gardiens. Un message avec ce magnifique tarot. Attends, parce que celui-ci, il y a beaucoup plus de cartes, donc je me mets un petit peu sur le côté. Tout bien. Alors, fiez-vous à votre intuition aujourd'hui. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Donc aujourd'hui, on se fie à son intuition et seulement son intuition pour que vous puissiez aller dans la bonne direction. Alors, surtout ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer votre chemin, le chemin que vous devez prendre. Et pour le moment, je vois que vous avez peut-être énormément de secrets à l'intérieur de vous et on vous dit qu'il vaut mieux pas partager vos secrets avec autrui. Donc restez dans la discrétion, restez secret, restez peut-être seul, en retrait. Ok ? Voilà. Restez en retrait. Je prends ce magnifique oracle. On va voir. On y va avec celui-ci. Alors. Le message du jour, celui-ci. Alors là, aujourd'hui, on parle de souplesse. Donc, faites preuve de souplesse dans tous vos domaines de vie. Faites preuve de souplesse
Il va y avoir un courant favorable avec beaucoup d'opportunités. Ça va être dans tous vos domaines de vie. Et vous allez recevoir une aide vraiment à saisir votre chance. Donc soyez dans la souplesse. Vous allez être aidé, appuyé. Vraiment pour saisir une chance. Qu'il y ait des courants favorables. Pas qu'un, plusieurs courants favorables qui se collent à vous et que ça vous ouvre une multitude d'opportunités. Dans tout cela, il faudra vraiment être souple. Voilà, faire preuve de souplesse autant intellectuellement que physiquement aussi peut-être. Et vous allez recevoir une aide à saisir votre chance. Alors, donc le message que j'ai écrit pour vous, si bon matin. On parle aujourd'hui d'une mise au point qui va avoir lieu pour moi. On me parle d'une mise au point. Qui va pouvoir se débloquer. Jusqu'à maintenant, c'était une mise au point qui ne se débloquait pas. Et là, il va vraiment pouvoir y avoir une mise au point qui va pouvoir se débloquer. On parle aussi que la mise au point doit avoir lieu, je vois, une bonne fois pour toutes, pour vous. Je vois que vous êtes protégé. Je vois qu'il va y avoir une mise au point hein, pour vous. Et je vois qu'il va y avoir aussi juste après, voilà, une mise au point. Actuellement, je vois une guérison. Vous êtes actuellement en guérison et il va y avoir un miracle de guérison, puis après une mise au point. Pour la guérison, c'est pour vous rebooster vos forces, vos énergies, votre vitalité. Ça peut être aussi, peut-être vous avez plein de douleurs corporelles, physiques. Et c'est tout cela qui va, voilà, tout ça va être soulagé, atténué, va se retirer de vous. Pour qu'après vous puissiez faire une mise au point. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Voilà. Voilà ce que j'ai comme message. Bien. Je vais vous envoyer un petit cœur. Un petit cœur pour aujourd'hui. Un petit cœur d'amour pour aujourd'hui. Alors c'est celui-ci. Elle est magnifique. Flamme jumelle, votre passion sans flamme. Donc vous pouvez être pour moi dans un lien de flamme jumelle et votre passion sans flamme. Il y a quelque chose. Une étincelle. Une étincelle qui se fait de part et d'autre entre vous et votre flamme jumelle. Il y a une forte étincelle. D'accord? Ok, bien. Je vais prendre ce magnifique oracle et on va voir un petit peu le message que je peux vous transmettre avec celui-ci pour votre mardi. Voilà. On prend celui-ci et je vous transmets le message. Là, il y a une libération. Vous allez vous libérer. Ça peut être d'une situation, ça peut être d'une personne, ça peut être. Il y a une libération de votre passé. Quelque chose qui vous pèse. Trop lourd. On vous dit méditer. Vous allez vous libérer du passé. Méditer et observer parce que tout va bouger. Vous allez vous libérer de votre passé. Hein. Et après, vous allez pouvoir communiquer efficacement. Communiquer, vous. Ouais. Vous allez vous libérer du passé, méditer, observer et communiquer efficacement. Et apprécier les vôtres. Donc ça peut, vous pouvez vous libérer du passé, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une personne. Mais c'est pas une personne de votre famille. Hein. C'est externe, c'est extérieur à votre famille. Donc vous allez peut-être vous libérer de votre passé aussi, d'une situation avec un collègue, une collègue. Il y a quelque chose en tout cas. Hein. Et pour moi, ça va très vite. Ça va très vite pour moi. Ok. Bien. On va prendre ce magnifique oracle. On y va avec celui-ci. Oh.
Alors, laissez une trace de votre amour sur la planète. Donc, peu importe, laissez libre cours à votre imagination, mais laissez une trace de vous, de une petite, une empreinte de votre amour, de votre âme, de votre cœur, de votre être, de votre esprit, de vous en fait. Laissez vraiment une empreinte de vous sur la planète, d'accord? Et en laissant une trace de votre amour sur la planète, et ben les autres en voilà, les autres pourront en profiter aussi. Et c'est pouvoir aussi laisser une trace de vos savoirs, de vos capacités, de vous en fait. Il faut, voilà, il faut laisser une trace de son amour sur la planète avant de partir. Mais même après, on peut le faire. Mais là, voilà, de le dire comme ça, il faut le faire. Et vous allez là, vous aujourd'hui, à partir de maintenant, vous allez affronter votre avenir avec force et audace. Donc vous allez être rempli de force, d'audace. Vous allez foncer, vous allez plus hésiter en fait. Ok. Voilà tout ce que je pouvais vous transmettre. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, vous désirez le faire. Je vous souhaite un merveilleux mardi et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À très très vite.